Donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo un mercredi, une fois n'est pas coutume, pour vous présenter un super projet qu'on a mis en place avec mon amie Marine. Alors Marine, ça fait des années que je la connais, c'est la créatrice de l'e-shop Bloom & Blush que vous connaissez sûrement parce que je vous en parle assez souvent sur ma chaîne, sur mes réseaux, etc. C'est donc un e-shop qui regroupe des marques de beauté green et ou bio. Moi je suis cliente de sa boutique depuis des années. Et puis on s'est dit que ça serait peut-être sympa de créer une trousse toutes les deux qui puisse rassembler mes produits favoris qu'elle revend sur la boutique. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns dont je vous parle depuis des années. Et puis après des semaines de réflexion sur quels produits, quels tarifs, quelle trousse, quel format, comment on allait s'y prendre, bah la voilà, la trousse elle est enfin disponible. Alors au niveau des commandes, je vous glisse bien sûr tous les liens sous la vidéo si vous voulez la commander. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous expliquer la trousse, les produits, pourquoi je les aime et la belle action que vous pouvez faire si vous achetez cette trousse. Avant de démarrer la vidéo, je tiens à vous dire que moi je suis pas du tout rémunérée sur les ventes, c'est un choix de ma part, de notre part. Je préférais qu'il y ait une somme qui parte vers une association, donc je vais vous expliquer ça plus en détail, mais voilà, cette vidéo c'est pas du tout dans le but de vous faire acheter cette trousse pour que je gagne de l'argent derrière, c'est pas du tout la démarche. Je suis très contente de pouvoir collaborer avec Marine autour de ce beau projet et je trouve que cette trousse est, en plus d'être très belle, très intéressante à l'intérieur parce que le contenu est top pour un prix vraiment beaucoup plus intéressant que si vous achetiez les produits un par un. Alors, avant de parler du contenu, on va parler du contenant. On a pas mal réfléchi à la forme qu'on voulait que cette trousse puisse avoir et puis on s'est arrêté sur la très jolie marque française qui s'appelle Gabrielle Paris, qui est une marque qui crée donc des accessoires, pochettes, etc. avec des designs qui sont toujours très réussis. Alors j'imagine que de l'extérieur cette trousse elle a l'air toute simple, vous allez voir qu'elle a plein de petits atouts. Bon, déjà ce motif un peu fleuri, un peu léopard, qui je trouve est très élégant sans être too much, avec des teintes neutres pour que ça puisse plaire à tout le monde. Moi je la trouve vraiment ravissante et en plus d'être très jolie, cette trousse elle est très bien pensée puisqu'à l'intérieur elle est entièrement plastifiée, pas de risque de coulure si vous avez un produit qui fuit à l'intérieur si vous l'emmenez en voyage, ou les pinceaux par exemple plein de poudre, de blush, etc. qui peuvent venir tacher la trousse. Là il n'y a pas de risque, vous la passez en machine ou vous mettez un petit coup d'éponge et puis ça part tout seul. Elle a également une grande pochette élastiquée en deux parties dans laquelle vous pouvez glisser des produits pour éviter qu'ils se baladent dans la trousse. Enfin voilà, je suis très très contente de cette trousse. Moi ça va clairement devenir ma trousse de toilette de tous les jours. Elle a un format très très généreux et puis vous avez également une petite poignée ici pour pouvoir la transporter plus facilement. Voilà, je pense que de prime abord elle a l'air toute simple, mais en fait elle regorge de petits détails comme ça qui sont hyper intéressants. Donc voilà pour le contenant, on va passer au contenu. On a essayé de sélectionner déjà des produits que j'adore, ça c'était la condition sine qua non, mais surtout des produits qui puissent convenir au plus grand nombre. L'idée c'était pas de mettre un shampoing pour les cheveux secs, ou bien je sais pas, un soin contre l'acné. On voulait vraiment quelque chose qui puisse correspondre à tous et à toutes. Et j'espère qu'on a réussi, vous allez voir que j'ai essayé de glisser ma petite touche perso dans chacun des produits. Alors on va commencer par le nettoyant de la marque Nuori. Nuori c'est une marque que j'aime énormément, c'est une marque danoise qui propose des produits vraiment très pointus et je trouve toujours très sensoriels. J'ai déjà testé pas mal de références dans la marque et j'ai toujours été convaincue. Et là je vais donc vous parler du nettoyant en forme de mousse, donc le Vital Foaming Cleanser, avec un complexe d'enzymes de fruits à l'intérieur. Le packaging ressemble à ça, bon ça c'est mon flacon qui est en cours. Alors c'est un nettoyant visage que vous pouvez utiliser le matin, soit pour préparer votre peau à recevoir les soins de maquillage, etc. Ou alors le soir, moi j'utilise en double nettoyage, donc d'abord je me démaquille avec une huile démaquillante et ensuite j'utilise ce produit. C'est un produit qui est hyper économique parce qu'en fait vous avez cet embout mousseur à l'intérieur, vous avez un produit qui est complètement liquide. Et ça vient créer une mousse, c'est-à-dire que ce type de produit vous allez le garder des mois avant d'en voir le fond. C'est pas tout simplement un produit nettoyant conventionnel qui vient juste mousser, nettoyer un petit peu la peau. Les enzymes de fruits vont juste venir apporter une action exfoliante mais très très douce. Vous pouvez tout à fait vous en servir tous les jours si vous avez une peau normale, grasse, mixte, peut-être un jour sur deux ou un jour sur trois si vous avez une peau vraiment sèche, réactive, sensible. Mais c'est un petit nettoyant qui va aller un tout petit peu plus en profondeur qu'un nettoyant complètement conventionnel. Et je l'aime vraiment beaucoup, il a une odeur un peu acidulée comme les bonbons créma que j'adore. Et je pense que c'est un produit qui plaira à beaucoup de personnes, donc je suis ravie qu'il arrive dans la trousse. Le deuxième produit, dois-je le présenter? Ça c'est mon exemplaire à moi, puis ça c'est ce que vous allez retrouver dans la trousse, je vous ai gardé les emballages. Il s'agit du Hyaluronic Eye Complex de chez Evolve, qui est un soin contour des yeux gorgé d'acide hyaluronique avec une présentation hyper hyper simple. C'est un petit roll-on que vous venez appliquer sur le contour des yeux. C'est un produit que j'utilise depuis des années, que je trouve top, qui conviendra à tout le monde, quel que soit votre âge. J'adore ce produit, il est à 99,3% d'origine naturelle et à 33,2% d'origine bio.
Ça s'applique facilement, ça pénètre vite, ça hydrate vraiment vraiment en profondeur le contour de l'œil, ça permet de se maquiller derrière sans aucune difficulté. Moi j'en descends des flacons depuis des années, c'est vraiment un produit que j'adore et je suis très contente qu'il soit dans la trousse. Parce que je pense qu'on peut pas passer à côté. Le produit suivant, c'est un petit baume à lèvres de la marque Hero que vous connaissez sûrement. Moi ces baumes à lèvres, ça fait des années que je les connais. Pour être tout à fait honnête, ça fait vraiment plusieurs années que j'en utilise plus, mais ce sont des baumes que j'ai utilisés vraiment pendant très très longtemps. À l'époque, je m'approvisionnais sur des sites américains pour pouvoir les trouver. Maintenant, ils sont vraiment beaucoup plus faciles à trouver en France, à commencer par le site de Marine. On a choisi la saveur pamplemousse. Déjà parce que moi c'est une odeur que j'adore et aussi parce que je trouve que cette petite teinte un peu abricotée est vraiment ravissante. Alors sur les lèvres il est complètement translucide, hein. C'est vrai que dans le tube c'est très joli mais sur les lèvres ça sera complètement translucide. Ça c'est vraiment le baume à lèvres qui fonctionnera sur tout le monde, qui est hydratant, pas trop gras. Il a une forme que je trouve très intéressante avec cette sorte de base un peu ovale. Ça permet d'en appliquer vraiment très rapidement sur la bouche dans son intégralité. Le parfum est délicieux, c'est complètement naturel, c'est un produit que j'adore, qui existe dans plein de parfums, c'était difficile d'en choisir un seul, mais pour que ça puisse plaire au plus grand nombre, je me suis dit que pamplemousse, ça serait sympa. Et on va finir par le dernier produit, qui est un blush dont je vous ai beaucoup parlé aussi, qui est un blush de la marque Herb Perez. Alors c'est un blush à base de poudre de riz, je vous montre le mien, il est bien entamé, parce que ça fait pas mal de temps que je m'en sers, mais bien sûr vous aurez un exemplaire tout neuf. Donc à la base il est écrit Herb Perez dans le boîtier. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux petites teintes que vous pouvez soit mélanger, soit porter séparément, sachant que la teinte mandarine ici est assez mate et la teinte un peu plus corail ici est satinée. Moi très sincèrement j'utilise les deux en même temps parce que je trouve que c'est très joli. C'est un super blush avec une composition naturelle qui est très pigmentée, qui a un rendu magnifique sur la peau. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers mois, le packaging est solide, c'est un boîtier blanc un peu laqué avec un miroir à l'intérieur. Pour moi c'était un peu compliqué de penser à cette trousse sans apporter une petite touche de corail. Vous savez que c'est vraiment ma teinte signature sur les lèvres, sur les joues. Voilà, c'est aussi pour ça que le petit baume Hero allait très très bien avec ce blush. Et je suis très contente qu'il arrive dans la trousse parce que je le trouve magnifique. Alors maintenant on va parler des détails un petit peu techniques. À l'intérieur de cette trousse, donc avec tout ce que je vous ai présenté, la trousse et les 4 produits à l'intérieur, la valeur globale des produits est de 122 €. Et Marine propose donc un tarif préférentiel à 79 €. On fonctionne sur un système de... Je dis on mais c'est pas du tout moi qui m'occupe des envois, c'est vraiment... Merci Marine pour tout ça. Donc Marine a décidé de créer un système de pré-vente pour éviter de faire du gâchis, de créer trop de trousses, qu'elles partent pas ou qu'au contraire il y ait des déçus si on avait vraiment un nombre limité de trousses. Donc pendant 2 semaines à partir du lancement, donc pendant encore 10 jours quand vous verrez cette vidéo, vous pouvez précommander la trousse sur son site et les expéditions commenceront d'ici une dizaine, quinzaine de jours. Je vais dire une quinzaine de jours pour pas qu'il y ait de déçus. Mais voilà, on a préféré opter pour ce système là, pour qu'il n'y ait pas de déçus et puis pour pas qu'on fasse trop de gâchis avec les produits. Et l'autre très très bonne nouvelle, c'est qu'en achetant cette trousse, vous faites une très belle action puisque pour chaque achat de cette trousse, 2 € seront reversés à l'association Graines d'Espoir, qui est une association qui vient en aide aux enfants défavorisés au Togo. Ils les aident pour pouvoir bénéficier de soins, que ça soit pour des enfants défavorisés, malnutris ou en situation de handicap. C'est une très très belle association pour laquelle Marine et moi on a vraiment eu un coup de cœur et on est très contente de pouvoir reverser 2 € de chaque achat à cette association. Vous allez recevoir de toute façon un flyer dans la trousse qui vous expliquera les produits avec tout le descriptif en gros de ce que je viens de vous dire dans les vidéos. Et puis le petit encart sur l'association qui est en bas si vous souhaitez aussi de votre côté faire un don plus généreux. Voilà pour cette trousse que je suis très contente de vous présenter, c'est vraiment dans les tuyaux depuis des semaines donc je suis ravie de pouvoir vous en parler davantage. Si vous avez craqué, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous taguer sur les réseaux, notamment sur Instagram si vous recevez votre trousse pour qu'on puisse aller regarder ça, ça nous fera hyper plaisir. J'espère que ça vous plaît, ça vous permet sûrement d'aboutir à des produits vraiment top pour un prix vraiment inférieur et puis aussi de faire une bonne action avec ces 2 € qui sont reversés à l'association. Donc j'espère que tout ça vous plaît autant que moi je suis hyper emballée. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.